Le programme de crédit de taxe d'un centre-ville a atteint les objectifs, à votre avis, pas juste en termes de nombre d'unités de logement, mais des gens que ça a permis d'attirer dans le centre-ville? Bien, c'est un début. On commence à avoir des résultats, donc je pense que c'est important de continuer sur une lancée. Au niveau de la mixité de gens que ça va amener, je pense qu'on prend des mesures justement pour s'assurer qu'on vienne avec un équilibre, de favoriser des projets de densité plus douce avec certaines dispositions là, qu'on a amendées au programme ou du moins là, qui sont proposées. Qu'est-ce qui, dans les nouvelles options ou dans les options qui sont présentées, pourrait permettre une meilleure mixité? Bien, le fait justement qu'on va élargir la période de planification puis de crédit pour justement des projets de 3 à 6 étages, qui sont des projets qui demandent souvent plus de temps, qui sont plus difficiles à faire parce que c'est pas de la répétition, disons. Là. Chaque projet est unique. C'est souvent des plus petits investisseurs qui en sont souvent un premier projet. Il y a des contraintes de disposition de terrain. Les lots sont petits. Souvent, il y a de la déconstruction à faire. Donc, ça aussi, c'est un coût supplémentaire que de bâtir sur un terrain vague. Des fois, de la décontamination. Donc, à ce niveau-là, je pense que ça peut intéresser des gens qui sont justement là, à la recherche d'un milieu de vie central, qui sont prêts à investir avec d'autres petits investisseurs pour monter un projet qui va leur ressembler. C'est important de relancer ce programme-là parce que pour avoir une compétitivité avec Ottawa, notamment pour les coûts de construction. C'est important de relancer ce programme-là parce qu'on veut attirer une masse de gens critiques dans le centre-ville. On veut que les gens aient le goût de l'habiter. Puis une des choses qui donne le goût des gens d'habiter un centre-ville, c'est qu'il y ait du monde dans le centre-ville. C'est ça qui va amener des commerces, c'est ça qui va amener de la vie, de l'ambiance. Puis c'est aussi en lien avec les investissements qu'on veut faire dans notre centre-ville. On veut créer un esthétisme, justement. On veut qu'il y ait des activités intéressantes qui vont faire en sorte qu'il y ait une diversité de gens qui vont pouvoir y trouver leur compte. Mais pour que les gens viennent, il faut que les constructeurs trouvent ça rentable de construire, donc une compétitivité aussi, justement d'attirer peut-être une partie de la clientèle d'Ottawa qui irait normalement à Ottawa parce que ça coûte moins cher aussi. Bien. Donc, au-delà de l'objectif ultime de gentrification, faut être compétitif. L'objectif ultime, c'est d'amener des gens. La gentrification, ça, c'est un tout autre processus. Là. On ne veut pas non plus perdre les gens qui sont là déjà. Ouais. C'est certain que les coûts de construction qui sont comparables à Ottawa, puis le fait que le marché n'est pas prêt à mettre autant pour le même type de logement, fait en sorte qu'effectivement, le risque est plus élevé pour les investisseurs. Donc, tant que le marché soit prêt à payer un peu plus pour ce qui va coûter la même chose de construire, l'incitatif, le besoin de l'incitatif, il est là. Du moment où on a un marché qui va s'ajuster à ces coûts-là, la ville n'aura plus d'affaires à être dans un programme comme ça. Vous pensez qu'on en a pour 6 ans. Est-ce qu'on est confiant que ce 6 ans-là va permettre d'atteindre l'objectif pour ne pas besoin de reconduire encore? Bien, c'est entre autres une des raisons pourquoi on a mené de l'avant une autre recommandation pour s'assurer qu'on a des outils complémentaires. Il faut contextualiser ce programme-là avec un autre ensemble, avec un ensemble plus vaste justement d'outils pour arriver à cet objectif-là le plus rapidement possible. Dans ce cadre-là, on peut penser justement là, à toute la mise à jour de la politique d'habitation, le programme de rénovation aussi là, sur lequel on va entamer une réflexion, comment on peut amener le privé peut-être à contribuer davantage dans des logements abordables pour s'assurer que l'abordabilité ne disparaisse pas avec justement l'attirance pour un marché de gens qui ont plus de moyens. Parce que pour l'instant, on n'attire pas vraiment de jeunes familles là, dans le centre-ville. On attire des gens qui quittent leur résidence familiale où les enfants sont partis en grande majorité. C'est pas suffisant pour attirer des jeunes familles, ce programme-là. Bien, c'est effectivement ce que les chiffres nous montrent, là, que la plupart des gens qui ont été attirés à Dan dans les copropriétés, c'est des gens entre 35 et 63 ans, si je ne me trompe pas, des gens seuls, des fois des gens qui vont laisser à leurs enfants pour plus tard après ça aménager quand eux auront vendu la maison. Donc, effectivement, il y a un besoin de s'assurer qu'on va amener des jeunes familles, qu'on va rendre ça intéressant. Ce n'est pas juste un programme de subvention qui va faire ça. C'est justement là ce que je veux dire par des mesures complémentaires, s'assurer qu'on offre un milieu de vie attirant pour des familles aussi. Les résultats vous satisfont jusqu'ici? Bien, je pense que les résultats sont prometteurs, puis je pense que c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre la hache dans ça à ce moment-ci. On a quand même eu 532 nouvelles unités en 6 ans. En comparatif, on en a eu 511 entre 90 et 2000. Donc, je pense qu'effectivement, il y a des résultats là, qui poindrent à l'horizon, qui ont déjà commencé à se manifester. Merci. On parle du crédit de taxe au centre-ville, mais j'aimerais vous entendre aussi sur une autre taxe, la fameuse taxe dédiée aux infrastructures. Est-ce que vous aimeriez l'avoir augmentée, elle, en plus de la taxe générale?
Je pense que la taxe dédiée, c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer, dans la mesure où, entre autres, Québec nous annonce aussi qu'il se retire d'investissements qui sont à 100 % dans des infrastructures. Donc, on n'a pas le loisir de se désengager de ça. On a un rattrapage énorme à faire à Gatineau, toutes les villes du Québec. C'est un rattrapage qu'on ne fera pas seul. Donc, la maintenir à 1 % c'est une option pour moi qui ne peut pas être remise en question. De l'augmenter, on peut étudier d'autres alternatives avant d'aller là, mais le contexte dans lequel Québec nous pose, c'est un élément qui mérite d'être pris en considération, mais ce n'est pas dans cette voie-là que je crois qu'on doit trouver les économies à court terme, du moins, là, alors que le gouvernement nous annonce que ce n'est pas récurrent. Okay, mais est-ce que vous proposez de l'augmenter, la taxe dédiée de 1 %? Est-ce que c'est ça que vous pensez qu'on devrait faire à ce stade-ci, compte tenu du contexte actuel? Non, c'est pas ça que je pense qu'on devrait faire à ce stade-ci, mais je pense qu'on peut quand même avoir la réflexion. Dans la mesure où on a aussi un plan financier à long terme qui nous disait que c'est pour se faire ce rattrapage-là, on pourrait l'amener à 2 %. Donc, il y a quand même des arguments qui vont en faveur d'une taxe dédiée augmentée à 2 %. Maintenant, il faut penser aussi aux pressions générales sur les contribuables. Donc, à ce niveau-là, je pense que oui, on ne peut pas se faire l'économie d'y penser, mais je ne pense pas que c'est la direction qu'on devrait prendre là. À court terme. Est-ce qu'on pourrait pousser la logique à avoir une taxe dédiée à 1 % comme c'est le cas actuellement, mais sur le 1,9 % d'augmentation de taxes foncières, de garder 1 % et de le dédier, lui, aux infrastructures? Non, parce qu'une ville, c'est pas non plus juste des infrastructures. On a des besoins à la population. On est une des villes qui a le plus haut taux de croissance au Québec. Moi, je pense que c'est important qu'on ait des routes, là, mais je pense que c'est important qu'on ait aussi des jeunes qui sont capables d'aller à des cours offerts par la ville, qui sont capables de profiter de spectacles dans nos centres-villes, qui sont capables d'avoir des milieux de vie intéressants. Donc, non. Est-ce que les jeunes du comité du budget auraient dû être présents à vos discussions hier soir pour la préparation de cette troisième option-là qui a été faite avec le comité exécutif? Bien, l'ensemble des gens ont été consultés. Là, il y a des discussions de corridor qui se passent depuis déjà un bon bout de temps. Puis la recommandation du budget, c'est une recommandation qui vient de l'exécutif. Là. Donc, je pense pas que c'est un impair là, qu'on les ait pas invités. Je pense que l'objectif pour nous, c'est d'arriver à quelque chose qui va être un compromis consensuel, là, d'arriver à quelque chose qui va répondre là, à l'ensemble de ce qu'on... peut se permettre, mais qui va aussi prendre en compte là, les différents besoins d'une ville puis ces différentes missions qui ne sont pas juste en infrastructure. Merci.